monde, on est reparti sur un troisième épisode de Palia, un épisode dans lequel on devrait terminer la construction de l'entrée de notre maison. C'est une grande construction, donc je pense qu'on va débloquer un petit peu plus de terrain, en tout cas on va en acheter rapidement pour pouvoir construire les autres modules de celle-ci. Mais normalement les ressources sont prêtes, on devrait donc finir ça assez rapidement. Alors vous avez peut-être vu à la fin de l'épisode précédent qu'il y a quelques problèmes de serveur qui ont rembobiné ma progression. Les quêtes validées ne l'étaient plus, les objets que j'ai loot ont disparu, les objets utilisés sont revenus dans l'inventaire. Enfin plein de trucs bizarres et j'étais un petit peu vert vu que j'ai par exemple eu un insecte très rare avec les bombes fumigènes. Mais bon, c'est perdu. Donc j'ai tout refait moi-même, j'ai fermé le jeu, je suis revenu le lendemain pour continuer mon enregistrement. Et là, bam, je me suis rendu compte que j'ai perdu encore plus de choses. Par exemple, tout le bois que j'ai farmé, plus de 100 de bois pour en faire des planches, ça a été perdu, la scierie a disparu. Enfin vraiment, c'était la catastrophe, du coup j'ai dû encore tout refaire. Mais là, ça a l'air de tenir, donc je suis assez content et je croise les doigts. Du coup, j'en ai profité pour progresser un petit peu. Je suis passé niveau 2 en compétences de pioche pour pouvoir acheter le fourneau. Et normalement, là, on devrait avoir... Ouh, alors, je pensais en avoir plus. Ouh, alors, attendez, on a des problèmes d'inventaire, là, je vois. Ouais, non, on a 2 emplacements, c'est bon. Et là, je pensais en avoir plus. Donc, j'ai assez de planches. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce que... Okay, on va mettre le bois là-dedans. Pam. Et on va mettre 100 de planches ici. Alors, ça, c'est bizarre, là, l'inventaire... Ça paraît un petit peu bizarre, mais ok. En fait, là, je pensais avoir 100 blocs. Et en fait, j'en ai pas 100. J'en ai beaucoup moins. Donc, je vais te mettre là. Et du coup, je pense que je vais relancer un petit peu plus. Donc, on va te lancer là. Voilà. En avant. Finalement, c'était... Ouais, 2 de roche pour un bloc. Ah, purée, c'est 1 minute par bloc. Donc, s'il m'en manque 50, il me faut 1 heure en gros d'attente. Attendez, on va voir, combien est-ce qu'il m'en demande? Ah, il m'en demande que 35, c'est bon. Ah, ouf, ok, j'ai peur. Allez, on valide. Pam. Allez, voilà. Oh, oh, c'est que la première étape. Oh, c'est que la première étape. Oh, purée, 8 heures. Vraiment, 8 heures. Bon, ok, c'est court pour une maison, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus rapide. Bon, alors, on va faire les autres quêtes, et on a Kenny qui est ici. Je vois que vous avez été trop très occupé, ouais. Vous avez quelque chose pour moi? Comme quoi? Un cadeau de pendaison de crémaillère, bien sûr. C'est pas lui qui est censé me le donner? Lorsque quelqu'un emménage dans le quartier, les habitants apportent de petits cadeaux à leurs nouveaux voisins. Des collations, des jouets. Oui, bah oui, tu vas me le donner. Si tu as envie de recevoir une invitation à l'un des dîners de ma femme, je te conseille de te faire connaître. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? 5 cadeaux aux villageois. Oh. Alors, est-ce que les mails ont été... Oula, j'ai tout ça. Oh, purée. Ok. Donc, lui, il me dit que j'ai à améliorer mes compétences de récolte. Quelque chose d'étrange se passe à l'hôtel du Phénix. Donc, elle voudrait qu'on la rejoigne. Oh, il y a des quêtes acceptées. Passer au magasin de Zeki. D'accord. Purée, tout ça, c'est des quêtes. Ok. Ah, donc là, elle a progressé dans l'enquête sur la batterie qu'on lui a donnée. Mm-hmm. Donc, il y a des vieilles portes qu'elle a essayé d'ouvrir. Peut-être que la batterie pourrait aider. Ok. Ah, il faut ramasser ça avant. D'accord. Ensuite, toi. Ah, certaines lettres sont en français, d'autres sont en anglais. Ok, tu me donnes quoi? Tapis de fortune. Ah bah, merci. Plus de déco. Donc lui, il peut nous apprendre à faire un four. Bah ça, on l'a déjà fait, hein, donc c'est bon. Ah, de l'argent, merci. Et plus d'argent. D'accord, bah merci. Ça, c'est des récompenses peut-être pour les quêtes. Bon, alors, on a de nouveaux objets. Ok, 6. Voilà, 6. Chaussures, plantes. Ok, ça va être là. Ensuite, on a le tapis. On va le mettre en dessous. Non, on va le mettre à l'entrée. Ouais, voilà.
Frottez-vous les chaussures. On va décorer notre tente en attendant que la maison se termine. Ça m'a fait de la place. Alors, ça c'est pour changer notre apparence. On a du coffre ici. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Alors, le cuivre, on va le mettre dedans. Voilà. Ça, c'est des blocs. On va les garder. On en a besoin de toi. Toi, tu vas là-haut. L'ail. On n'en a pas besoin. Garde. Et je sais pas. Ok. Ça, c'est le silex. Silex, on n'en a pas besoin. C'est presque ça. Bon, là, ça continue. Alors, les plantes. Ouh, on est prêt à récolter. Ok, certaines seulement, pas toutes. Et celle-ci me donne une deuxième. Ok, alors maintenant on va arroser. Je sais pas si j'ai assez d'eau, je crois que je suis presque à court d'eau. Ok. Et j'ai une carotte à une étoile. Génial. Bon, les 8 heures là, ça me... Je m'y attendais pas, je l'aurais su, j'aurais lancé la construction avant. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres graines? Et donc je suis censé pouvoir vendre des choses là. Boîte de vente. Ta bourse commence à s'alléger, dépose des objets dans la boîte et ils seront bientôt vendus. Les articles sont récupérés pour la vente chaque matin et chaque soir. Tu recevras le paiement où que tu le trouves. Ok. Donc là j'ai pas besoin de trouver le magasin, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça je peux le vendre. Voilà. 56. Ça je sais pas trop comment faire, un centauré. Poisson grillé. On le vend. Et la farine, ça va là-dedans. Donc on a une barre supplémentaire apparemment. Quête. Là, il me reste 8 flèches, tout cela a l'air bon. Ça se vend combien? 3 de valeur contre 1. D'accord, donc c'est. Ça gagne 50% de valeur, en gros. Vu que ben 2 blocs pour 1. Donc, c'est pas incroyable. Mais... Ah, j'ai le papillon. On va vendre le papillon. On a besoin d'argent. Donc alors, là on est quoi? On est à midi. Ouais, la journée passe pas super vite, mais ça va encore. Alors. Va essayer la batterie sur la porte derrière la chute d'eau. Va parler à Gina. Donc pour tout cela, il faut faire 5 cadeaux. Tout cela se fait au village. D'ailleurs, est-ce que j'avais pas de quête pour genre récolte de fruits et légumes? Et il va me falloir acheter. J'ai acheté des graines également pour avoir une génération d'argent constante. Alors, est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder un truc. Mince, je voulais regarder quoi? Ah oui, quête, oui, voilà, quête. Quête principale. Finir de construire sa maison. Avoir 500 d'or. Ouh, ok, donc faut peut-être attendre. Avant, j'en suis à combien? Là, en or, on est à 251. Ouais. Donc, est-ce que je peux éviter de trop dépenser pour gagner Il va falloir chasser. Il va falloir cueillir. Et vendre. Alors, l'ancienne batterie, elle est où? C'est parce que là-bas Gina, elle est là-haut, purée. Alors, je suis allé là-bas, ça, c'est une autre zone où il y a d'autres choses à faire. On va peut-être devoir y aller. Mais avant... Ah, et là-bas, il y a quoi? Ah, c'est là-bas. Donc, c'est à droite. Bah, il y a le... C'est là-bas. 393, 313. Bon, alors, je vais attendre. Gina va se déplacer, donc on va la retrouver au village. Oh, Ah, je peux choisir le type. Quoi? Ah. Je peux pas récupérer? Ah, merci. Bon, ça c'est commun, donc ça va pas me rapporter des masses. Moi, j'ai l'impression de chasser les Pokémon avec. Allez, la Pokéball! Voilà! Ensuite. Alors là-bas, il y a l'écurie. Je me demande si à un moment je peux obtenir une monture. Mais bon, de toute façon, il va me falloir payer la monture. Donc, ouais, on n'y est pas encore. Donc la porte est théoriquement derrière la chute d'eau. Ça a l'air d'être en haut. Comment tu vas? Par là, faut suivre ça, je peux.
Les gars, ils ont creusé dans la montagne pour passer derrière la chute d'eau. Ça me rappelle quelque chose. C'est pas là, c'est de là que c'est là qu'on est arrivé, non? Je crois que c'est là qu'on est apparu. Ouais, c'était là. Ah, la porte. Rentre dans les ruines. Est-ce qu'il y a du combat? Non, je crois pas qu'il y a du combat dans le jeu. Hein. C'est pas un donjon. Ok, il y a de la rouille en bas. Alors, les connaissances poussent dans l'esprit. On fait grandir l'esprit, fait pousser l'esprit, même en temps de conflit. Pour entrer ici, vous devez fournir ce qui fait pousser la vie. De l'eau ? Ouais, c'est ça. Ok, bah on va parler à Gina, on a du dialogue à faire. Vous l'avez vraiment fait, j'ai entendu le grondement et j'ai couru. Mais t'es venu vite, hein, plus vite que moi. Cet endroit est incroyable, ça devrait être une sorte de temple. Pouvez-vous lire les gravures sur les murs? C'est une ancienne écriture humaine. En fait non, c'est tout à fait logique, vous êtes un humain. Bien sûr que vous pouvez lire votre propre langue. C'est pas tellement une langue humaine hein, en général, c'est plus en fonction de la culture, mais ok. Vous partez en éclaireur. Éclat et moi allons inspecter cette pièce. Pour voir ce que nous pouvons apprendre. Okay. Parle. Alors, je peux pas valider l'autre quête. On va essayer. Tac, tac. Je peux pas. Il faut peut-être partir de là. Ah. Okay. J'aime bien ça, comment elle parle. Alors. Et B. Sacrée grotte. Cette chambre a été rajoutée pour votre protection. Ne perdez pas espoir, le roi va nous libérer quand les choses seront safe, en sécurité sûre. Et notre peuple va pouvoir explorer le monde à nouveau. D'accord. Bah toi, t'as perdu la tête. Donc, comment est-ce que... Ok, je crois qu'il y a quelque chose d'autre à faire pour faire un pont ou connexion. Peut-être ramener sa tête. D'accord. Allons voir Gina. Ah non, c'est passé le dialogue. Ok. Ben, tu parles de la résurgence humaine, ben ça tombe bien, ce qu'il disait dans le temple. Si vous avez des objets intéressants à examiner, n'hésitez pas à me les envoyer. Ils pourraient être la clé me permettant de devenir une vraie spécialiste. Alors vous savez la clé qui vous permettra de découvrir le mystère de ce qui vous est arrivé à votre peuple. Okay. Ok, on a trouvé quelque chose. Des grandes ruines. D'accord, il faut un planeur. Oh, nouvel outil qui nous attend. D'accord. Un planeur, donc en fait, c'est pas tellement qu'on va faire apparaître un pont, c'est plus qu'on va sauter et on va... Ouais, par là, hein. C'est là-bas. Donc, à Najuma, à Bahari Bay. Ouh, je crois que c'est l'autre zone. Je crois que c'est l'autre zone, Bahari Bay. Évidemment. De quête, ouais, c'est là-bas. Je vais pas avoir le mais c'est là. Très bien. Ah, il y a lui là, ça, 500 mètres. Qu'est-ce que je dois faire avec toi? Est-ce que je vais lui parler avant d'aller explorer? Ah, je dois lui reparler pour valider la quête de la chasse aux insectes, vu que. D'accord, ça fait partie des quêtes qui ont été rembobinées. Alors, attends-moi. Il se déplace vite. Voilà. It's
Alors, il a attrapé les insectes, il a peut-être envoyé une lettre du coup. Et il livre, je crois, à 18h. Donc avec ça, maintenant, on doit aller là-bas. 500 mètres à refaire. Alors, faut faire gaffe sur le chemin, je vais peut-être trouver des choses à vendre, j'aimerais bien trouver des champis. Mais je peux peut-être également trouver des filons de cuivre, il y en a un petit peu dans la zone. J'en ai trouvé tout à l'heure en refaisant le contenu qui a été rembobiné. Voilà, il y a du cuivre. Et je suppose que ces ressources sont partagées avec les autres joueurs. Donc pas hésiter à ramasser avant qu'il ninja ça. Voilà, merci pour le cuivre. En plus, je suppose que ça fait peut-être progresser plus rapidement ma compétence. Donc, double bénéf. Ça. Ouais. Toujours vers là-bas. Je me demande si je vais chasser également, si je trouve, j'ai plus beaucoup de flèches. Mince, je vais cliquer droit pour viser, mais pas besoin. Allez, Pokémon, les Pokéballs, parfait. Ah, et ça fait monter ma compétence également. Lui, j'ai juste énervé. Ah, c'est bon. Pourquoi je peux l'avoir? Oui, ok. J'ai cru que je l'avais énervé. Alors, je peux pas la récupérer, la Pokéball, non? Alors, j'en suis à où, côté... Oula, ok, il nous reste deux emplacements. 16 d'or contre 12 pour le papillon. Je pensais qu'il serait plus rare. Alors ça... Ouais, il se régénère. Ok, il me faut un meilleur outil, donc. On est à 200 mètres. Je vais pas chasser, parce que je vais plus avoir de place. Un beau pont qui a l'air bien costaud, même si un petit peu vieux. Costaud en dehors des zones qui sont cassées, bien sûr. Ah, ça je le veux, parce que ça se vend. Ah, putain, non, c'est pas un renard. Ça se vend. Je crois 6 pièces. Donc si je peux en avoir 3, ça me fait 18 d'argent et on est... Ouh. Et je suis passé au niveau supérieur en récolte, niveau 3. Parce que je sais pas ce que... Oh, inventaire plein. Vraiment trouver un moyen d'agrandir l'inventaire. Obtenir une amélioration de sac à la boutique de Zaki. Ça va encore coûter des pépettes, ça. Alors. Hop. Mmh. Ouais, il est long ce chargement. Ok, donc la quête est là-bas à 130 mètres. J'espère qu'il y a du marchand dans le coin. Donc, Najuma. Ça me rappelle quelque chose ce style. Je travaille avec mon père dans les mines, ou du moins je le faisais avant qu'il ne dise que c'était trop dangereux. Il aurait pas dû le dire quand elle était plus jeune et pas maintenant quand elle est plus âgée. Je n'avais pas l'intention de me plaindre à un parfait inconnu, désolé. Désolé, elle S avant désolé. Ok. Ok. Donc, je vais être un cobaye. Il me laisse pas entrer dans les mines, il me laisse pas sauter les palaises. Si vous êtes intéressé, je peux aussi vous en fabriquer un. Apportez-moi juste ces fournitures. Ok, mais on va lui parler. Alors, ça, c'est juste pour gagner le point. Alors, c'est quoi que tu veux? 3 planches d'aubier, 2 tissus. Ok. J'ai pas les planches. Il va falloir, le faire à la maison. Je sais pas comment faire tout ça, donc ouais. Je sais comment faire les planches, le tissu, je suis pas sûr. Et le cuir non plus. Peut-être un autre atelier. Non. Allez, je peux pas ouvrir parce que l'inventaire est plein. Qu'est-ce que je peux jeter qui ne vaut rien? Voilà. Plus 15 de concentration. Pourquoi je peux... Ah voilà, je peux fermer. Stevia, Marguerite et de l'or. Bah ça c'est pas de refus. Ah, attends, regarde, quelqu'un chasse. Désolé si je lui ai fait peur.
personne à la forge. Ok, ben vous savez quoi, on va rentrer, on va vider les poches et on va essayer de préparer les ressources que Najuma demande. J'aurais peut-être dû lancer quelques planches supplémentaires. Je sais pas si on est lancé. Ah, ça on va ramasser. J'espère que ça va stack. Et il est 4h. Il passe à 18h, je pense. Donc j'ai une heure pour rentrer et mettre les choses en vente pour être payé. Alors, hop. Donc on va mettre 100. Ça, je vais peut-être garder pour les cadeaux. Coffre vide, ça a posé. Qu'est-ce que je peux vendre d'autre? Toi. Farine, si tu peux la mettre là-haut. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va garder ça. Ok, ça, ça me rapportait 188. Donc on va être à 371, 450. Il va manquer 50. Qu'est-ce que je peux vendre? Ça, ça va me rapporter pas mal. Bon, on va vendre 3. On va vendre. Est-ce que je peux séparer ça? Ah, et on a ça également. Ok, je peux vendre ça. Et ça. Voilà, ça devrait faire l'affaire. C'est 500 qu'il nous fallait, je crois. Bon, alors, maintenant. J'ai bien lancé. Ouais, on a bien lancé des planches. On a bien lancé celle-là. Ça, c'est bon ou est-ce qu'il faut arroser à nouveau? On est bon. Ouais. Et je vais retourner en ville. Parce qu'il me faut faire des cadeaux. Ah, oui. Voilà, vente faite. Non, ah, et du coup, on a reçu un courrier. Ashura. Ah, il veut. Ashura veut m'apprendre à fabriquer une meilleure hache. Toi, tu nous as donné. Ok. Ouh, ça, c'est pour un pique-nique. Bon, on va te mettre là pour le moment. Est-ce que je peux. C'est beau la déco, mais. Ok. Du coup, on va aller voir le bonhomme pour apprendre à faire la meilleure hache. Et je me rends compte que j'ai oublié de regarder pour faire la quête comme un oiseau. C'est pas grave. How's your day going? Alors, hache. Ouh, purée 250. Ok, on va prendre. J'ai pas besoin d'argent pour autre chose. Hein. Ou on peut avoir 300 000 d'or au max. Okay. Ok. Be safe out there. Ah, et est-ce que t'as pas d'autres avant? Je vais voir le magasin en fait. Voilà, j'ai. Ok. Alors, il faut retourner à la maison, essayer de faire les pièces et aller voir pour notre planeur. Ah, il est peut-être un peu tard parce que c'est là le magasin où on est censé acheter l'amélioration de sac. Mais quand je regarde la liste, ce n'est pas dedans. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être parler à Zeki lui-même. Et donc, il faudrait le trouver. Pas là-dedans. Ouh. Ok. Ça reste... Il faut une clé. Ah, il y a quelque chose caché derrière là. Intéressant. Je sais pas ce que ça peut être. Il faudra revenir. Au passage, j'ai pu donner un cadeau donc à quelqu'un. Je vais voir si j'ai trouvé plus de monde. Oh, il va falloir revenir demain matin, hein, c'est ça. C'est probablement ça. Ah, là il y a du monde. Bah tiens, Tish. Super. On va quand même le donner à lui. Oh, yes, hello there. Oh, super. Ils ont l'air de beaucoup aimer les. Ça. Et qu'est-ce que tu me vois? Ah oui, oui c'est ça, oui c'est vrai.
clé et il n'y a personne dedans. Et certains magasins sont ouverts plus tard que d'autres. Alors, après m'être renseigné auprès d'autres joueurs, je devrais pouvoir acheter le plan pour les lingots de cuivre à Odari. D'ailleurs, faut lui parler apparemment. What is it? Ok. Quelques recettes en stock. Bah, tiens, c'est génial. Voilà. Alors, un lingot de cuivre à l'autre bonhomme coûte 80 et la recette coûte 50. Bon, ça, c'est fait. Recette céramique. Est-ce que je prends pioche standard? Ce serait pas mal. Alors, est-ce que je peux lui vendre? C'est quoi ça? Minerai d'argent. Je pense pas pour en faire quelque chose avant pas mal de temps. Mais il veut pas l'acheter. Dommage. Ok. Très bien. Bon, au moins, je vais pouvoir faire fondre du minerai. Bye. Tissu et cuir maintenant. C'est la question. Où est-ce que j'achète ça? Et le sac à dos également. Bon, il va falloir trouver Zik parce que là, vous voyez, j'ai pas acheté au magasin, je l'ai acheté directement au personnage. On va falloir trouver Zik pour le sac à dos. Je sais même pas si je vais avoir assez d'argent. Par où on sort? À droite, il y a le symbole là. Je regarde juste s'il n'y a pas de minerai de cuivre dans le coin. Ouh. Hein? Charbon? Oula. D'accord, pas la peine. Rien d'autre autour. Hein. Là. Bon, on rentre. On va chasser un petit peu. Oh bah. Je vais voir si l'autre est toujours dans le coin. Voilà. Ça, ça peut être vendu donc. Et je vais avoir besoin. Je vais avoir un cuir. Ça également, ça peut se revendre. Merci. Y'a quoi là-haut là? Ah, c'est un poteau. Ah, je suis plein. Où est la maison? La maison est à côté. On va aller à la maison avant d'aller voir Zik. Il est quelle heure? Il est 8h du mat. Donc, la maison est là-haut. Donc, ouais, je peux aller. J'ai le temps de faire l'aller-retour. Voilà, avant que ça... Pas de problème. Alors, ça on va garder. Ça on va garder. Donc ça, ça va là-haut. Non. Ça, ça va ici. Voilà. La viande, on peut la vendre. Insectes. Attendez, j'ai qu'un seul insecte. On peut vendre ça. Et ça. Il me reste une flèche. Il va falloir en faire plus. Les fleurs, on va les garder. Je vais gagner 100 d'argent. On va les garder pour... Voilà. On va les garder pour faire des cadeaux. Pas ramasser ça? Si, ok. Ouais, donc je peux pas changer apparemment. Est-ce que je peux mettre... Ouais, je peux quand même te mettre là. Est-ce que ça va changer automatiquement de recette ou je dois le faire pour eux? Alors, 3, 2, 1. Bam. Ouais, ça passe automatiquement au lingot. Donc ça, c'est parfait. Donc avec ça, on a la place. Je vais pouvoir, si j'ai assez d'argent, acheter le sac ou au moins voir quel va être son prix. Et je vais valider la quête des 5 cadeaux, vu qu'il en manque plus qu'un à faire. Alors, Zik est normalement au magasin général qui va être là. Oh, il y a un panneau, mais je pense pas qu'on peut accepter de quête. Bon, je crois que c'est là. Ouais, Zeki, pardon, pas Zik. Alors. Il ne lui a pas parlé. Alors déjà... Ok. Il y a des conseils pour une agent? Ok. Poubelle expédition. Alors, qu'est-ce que tu pourrais vouloir d'autre? Peut-être t'aurais un poisson, ça t'aurait plu. Si je te donne de l'argent. Ah, génial, il a accepté le seul minerai d'argent que j'ai trouvé. Et la quête est faite, faut parler à Kenley. Alors, maintenant que je t'ai offert ça... non. Je veux... parler à Zeki.
Des huîtres fraîches. Ok. Bah alors j'achète où le sac? Je comprends pas. Peut-être faut progresser. Ouais. Si on progresse dans le bon domaine, ça permet de. Mais bon. Ouais, je vois pas trop. Ah, c'est là, d'accord. Oh, ok, 500. ouais, 500, ça a picoté. Donc là, on doit aller parler à Kenley. Kenley, tu es là-bas. Pas si loin que ça. Donc, on va valider la quête. Et il va falloir essayer de remonter nos sous. Kenley, tu es là. As long as you do your best, that's good enough. Plus de réputation. Super. Maintenant, faut faire cuire les champis. D'accord, donc on va devoir trouver des champis parce que j'en ai vendu. C'est quoi que j'ai là? Une huître grillée. D'accord. Il va falloir trouver des champis, les faire cuire. Et les revendre, je pense, parce que... Oui, il est quelle heure? Il est 10h36, donc j'ai un petit peu de temps avant le passage suivant du vendeur, enfin, pour ramasser. Oh, lui, il a un animal de compagnie, lui. Ouh. Je suis jaloux, du coup. On va fouiller les alentours. Ouh, un papillon brillant. Résister. Ça, ça devrait bien se vendre. Ah, tu peux résister. Je sais pas combien il m'en reste. De... Allez, 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 allez. Oui. Parfait. Ah, c'est un commun. Vraiment. Bon. Donc ça n'avait pas le coup de m'embêter avec ça. Voilà. Donc, tout ça, ça dans l'inventaire. Il me reste plus encore de la place. J'ai encore un de place. Alors, je vais garder la place, là, du coup. Je fais tellement de choses en même temps. Je vais garder la place pour ça, parce que si je veux plus de bombes fumigènes, il me faut de ça. Là, on est plein, 9 d'argile, bah, ça devrait me suffire. J'ai plus de plomb, à toi. J'en suis à combien de bombes? Il m'en reste 3, ça n'a pas marché pour ça. Ouais, ça, ça va être bon. À voir. Et je pense qu'on va commencer le retour. Donc l'argile, ça se trouve près de l'eau, là, voilà. Du coup. Les champignons, on va peut-être les garder, mais au moins je vais mettre l'huître. Lingot, on va le garder. Toi. En pensant en avoir plus. D'accord. Ça va me faire 171, on est loin des 500. Ok. Alors si je vais là. Normalement tout au bout, ouais, je peux faire des bombes. Fumigène. Plus 20. Oh bah génial. Ça devrait tenir. Je vais avoir besoin des lingots. Parfait. Alors le surplus. Allez, déjà, on va cuire les champignons. Il en faut 3. Donc, on reprend les champignons. Et on va poser ça. Pas de vente, toi. Pourquoi le clic droit l'a pas envoyé, je sais pas. Ensuite, ça se vend. Ok, également. On a besoin d'argent. Donc. Ça se vend, hein. 171. Ok, donc ça se vend. C'est bien. J'ai cru que le prix n'a pas changé. Quoi. Ici. Voilà, 15 secondes. Ensuite. Il me manque un lingot et 20 planches. Alors, les planches, on va voir ce qu'il nous faut. Le lingot arrive dans 2 minutes.
crois que c'est 8 par champion. Je crois que ça valait pas le coup hein, de... 24, quoi que, ça fait la même chose. Donc ça va être mis là-bas. Donc là, on va être à quoi 350, il me faut 150 encore. On va vendre des silex. Ah, là, on va être bon. C'est le silex qui va avoir... Alors, j'espère que je vais pas regretter l'avance, mais on en trouve sur tous les cailloux du silex, donc... Et ça, c'est pour moi. Quand même te vendre. Je vois pas trop l'utilité de manger. Ça me donne de la concentration. Mais je sais pas c'est quoi. Ouais, on va l'utiliser. Donc ma barre de concentration augmente. Et je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que du coup je gagne plus? Ah, en gros, plus on a de concentration, plus on gagne de l'XP. D'accord, c'est intéressant. Alors, le tissu, on peut pas en faire par contre. Hein. Je sais pas encore comment faire le tissu. Ah, 30 secondes. Ah, super, prêt à être récolté. Il va falloir d'autres choses là-dedans. Ici, 4 secondes. Alors, qu'est-ce que je fais de... J'ai pas encore, je pense, de recette pour ça. Donc, on va vendre pour l'argent. 210. 45. D'accord. Et la concentration diminue régulièrement. On va passer le minerai. Il me semblait. Ouais, là. Voilà. Super. Recette kit de réparation. Ah oui, parce que maintenant nos outils vont s'endommager, si je ne me trompe pas. Et les flèches, on va en avoir besoin. Voilà. Donc maintenant, la hache est de meilleur level et elle devrait me permettre de casser des arbres. Ouais, il faut faire la même chose avec la pioche. Ça donne plus de ressources. Génial. Ça va me permettre de récolter bien plus vite. Et par contre, vous pouvez voir que la pioche et la hache, pardon, est déjà endommagée un petit peu. Purée, ça tombe vite, va falloir l'améliorer assez rapidement. Ah, cooking. Ah, ils veulent que l'on obtienne 52 faux cuisses. Bon, ça, c'est une autre quête. Il y a tellement de quêtes dans tous les sens. Bon, alors, une fois que j'achète le nouveau sac à dos, parce que je suis vraiment limite, je vais commencer à acheter des fruits, des graines pour les fruits et légumes. Plutôt les légumes, j'ai pas tellement d'arbres fruitiers là. Pour les légumes, et essayer d'avoir une génération constante parce que d'argent, parce que de ce que j'ai pu voir, certaines plantes se vendent pour super. Et c'est pratique parce que du coup, si on se déconnecte, bon, il faut arroser de temps en temps, mais quand on revient, ça a progressé pendant notre. Voilà. Et là, on en est à où? On en est à 6h46. Bon bah ça sera peut-être pour le prochain épisode. Si vous voulez en voir un petit peu plus, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé. Pensez au pouce bleu et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.